Il va y avoir quelques sangliers qui se promènent là-dedans. Par contre, les truites, elles ont la bouche cousue. Ça ne veut rien faire. La source du frigo. Ça débite quelque chose, il va y avoir une sacrée rivière là-dessous. C'est magnifique ce coin-là aussi. Mais pour l'instant, ça ne donne rien. Alors, il est que 7 heures encore. Allez, on va essayer dans ce trou. Oh, JP! Ouais, tu peux essayer. Mais ça sent la bredouille. Allez, on continue. Un beau plat. Bon, j'y vais au travail. Bon, t'as repris encore, hein? Moi j'en ai touché une. Hein? Comment voulez-vous que je pêche? Il est toujours devant moi, toujours devant moi, toujours devant moi. Donc je peux pas pêcher, c'est pas possible. Alors j'attends. J'attends qu'il ait envie de me laisser passer. Je viens d'en décrocher une là tout à l'heure. Oui. Une vingtaine de centimètres à peu près, c'est tout. 15. Bon, 15 si tu veux. Moi je les voyais 20, mais bon. Allez, ouais, c'est bon. Allez, j'arrive. Allez, secoue l'arbre, JP. Allez. Tu gars secoue, hein. Qui? Moi? Oui. Mais non, regarde. Allez, tire, tire. Ah, JP vient de taper un joli frein. Hein. Il dépasse les 50 mètres. Oh, il râle. Je sens que le rapa là, il va rester à l'arbre. Aïe aïe aïe. Appelle Jo. Attends, je viens de t'aider, va. Ah, c'est bien, ça y est. JP a sauvé le rapala. Et pour la xème fois, JP de l'autre côté. Pour aller sauver son poisson. Ah, ça va. Là, il marche. Ouais. Et puis le loup. Il n'y a pas comme moi hein, qui pêche les arbres. Moi, il faisait 50 mètres, mais lui, il en fait 200. Hein. C'est dommage, il a attaché son truc là. Il fait moins le mariole là. Oh que je suis content. Il est là-haut là. Quel coq qu'il a jeté si haut là. Allez, démerde-toi. Il y a des mouches qui me mangent. Oh putain. Ah. Ça y est.
Encore, il va l'avoir. Il l'a eu. Ça y est. Là, je suis bien content. Attends. Arrête-le, là, il marche. Ça te fait rire, hein. Ça te fait rire, hein. Voilà. J'en ai enfin attrapé une, hein. Elle est jolie. Belle couleur.